Ah bah y a plus de place ici. Bah oui. Alors, vous avez fait quoi hier pendant que je bossais? Bah on a porté. J'étais bien débrouillée à vous, hein. Ouais, tout à déchetterie. Voilà. On va pouvoir travailler maintenant. Là, on va s'attaquer à tout ça, là. Distribuer un peu, parce que là, il y aura l'évier, la vaisselle ici. Donc, on va un peu éclater tout ça et tout envoyer à gauche. Bon, du coup, là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'encastrer l'évacuation d'eau et les arrivées d'eau. Et vu que c'est un mur en pierre, on sort la disqueuse. Voilà. Voilà, c'est bah là, ça fait un boîtier. Un boîtier. Bah non, tu dis, ça sert à quoi? Bah parce que comme ça on a plusieurs câbles, t'as vu? On aura plein de prises. Je suis en train de tout dégoûter. Non mais c'est pas grave, c'est juste mieux comme ça. Non, là, on a fait une boîte de pour avoir la prise du micro-ondes. Le frigo. Et une double prise au niveau du plan de travail. Du coup, on a été chercher le câble qui était ici. Là. Tout faire monter pour faire la boîte là-haut. Là, on a four et plaques, ici, qui seront là. Aussi, on a préparé les tuyaux d'arrivée d'eau. Il faut que j'aille chercher la machine chez beau papa, alias Castorama, le roi Merlin, etc. Voilà, il a tout ce qu'il faut chez lui. Je vais lui emprunter ça pour cintrer les tuyaux, pour faire de là. Là, un virage pour monter et hop pour ressortir, tout en une seule fois. On va essayer de faire ça. Là, ici, on voit du coup le tuyau d'évacuation pour l'évier et le lave-vaisselle. Et voilà, et puis bah, on va prendre la prise là-bas pour le lave-vaisselle. Et puis bah, normalement, la distribution de la cuisine sera faite. Tout ça, les mains dans les poches. Assis sur un tabouret. Assis sur un tabouret, exactement. Et le finish. Ça devrait donner ça. Donc voilà, c'est parti pour déplacer l'alimentation d'eau. J'ai pris du cuivre recuit parce que je fais pas encore de soudure, mais peut-être que ça viendra un jour. Donc là, avec la cintreuse, on prend la forme qu'on veut justement pour éviter un maximum les raccords.
changes. Alors là, l'idée dans la salle d'eau, c'est d'encastrer un maximum de choses. Donc arrivée d'eau, évacuation. Et vu que c'est une séparation en carreau de plâtre, j'ai fait un petit tour chez le voisin. Oups. Et voilà, fin de vidéo, prochaine étape, bah t'as un petit indice sous les yeux. Et donc pour suivre nos aventures, abonne-toi sur YouTube, Instagram et TikTok. Allez, bisous! Yes.